Allez, on attaque la dernière journée du week-end, dimanche. Donc voilà, au programme de la journée, un warm-up, des qualifs et deux courses. Voilà, programme classique. La journée d'hier s'est plutôt bien passée. Bon, ça c'est pas comme je l'espérais évidemment. On a fait une deuxième place en première course, mais on a récupéré le titre de champion de France, donc c'est l'essentiel. Et une quatrième place en deuxième course, donc voilà, très difficile de doubler ici à Albi. Comme vous avez pu voir, je vous ai mis quelques vidéos d'on-board et voilà, vraiment pas facile. Un peu une surchauffe moteur, donc voilà, une grosse perte de puissance. Mais on finit quand même quatrième, bon, ça marque des points, même si on n'en a plus besoin. On a fait du spectacle, c'est l'essentiel. Et maintenant, aujourd'hui, voilà, on va essayer de se concentrer pour faire une meilleure qualif qu'hier, aller chercher la première position. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Allez, ça y est, deuxième séance qualif du week-end. Donc voilà, hier on n'a pas pu avoir la pole. On va essayer de la décrocher aujourd'hui. Et voilà, on a bien bossé avec les ingés. Donc j'espère qu'on va faire le job. En tout cas, on va tout donner sur la piste. Départ de la première course du dimanche, donc voilà, on est prêt. On part en deuxième ligne, ça va être très chaud au départ ici. Le départ à Albi, c'est assez short, donc voilà, on va faire le maximum. Mais en tout cas, je vais livrer une grosse bataille avec Thomas, je pense. J'ai vraiment envie de gagner cette course, donc voilà, on va essayer d'aller chercher cette victoire.
les vainqueurs. Je pense que Valérie Jiménez est encore plus heureuse que Théo Calvet. Ça y est, la victoire tant attendue, elle est là. Première victoire du week-end en course 1. Voilà, on a dépassé le premier au premier virage. C'était vraiment top, c'était très serré, mais c'était un des seuls endroits où je pouvais doubler. Donc j'ai tout donné. Et maintenant, on va attaquer la course 2. C'est la dernière course de la saison. Et je pense que ça va frotter un petit peu, mais surtout, il va y avoir un paquet de spectacles. On embarque pour un petit tour guidé du camion de course. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Est-ce que nous faisons découvrir chez Bugira à tous nos partenaires, nos annonceurs? On leur fait vivre l'expérience de l'intérieur et on va faire le tour des mécaniciens afin de voir comment fonctionne le camion. Il y a plein de choses qui diffèrent par rapport à la voiture. Regardez par exemple, hop, regardez l'angle des roues. Eh bien, tout ça, on va l'expliquer à nos partenaires, histoire de mieux comprendre les courses de camions. Never coming down.
tunnel sur le côté là. Ça y est, on l'a fait, je suis allé chercher la victoire du Grand Prix d'Albi. Donc voilà, je suis super content, je finis deuxième à la dernière course. Et voilà, c'était franchement une course ultra bataillée. Je vais vous mettre des plans, c'était une course de folie. Moi je me suis régalé à rouler, c'était un peu... Enfin ça allait dans tous les sens quoi, c'était assez impressionnant. Mais en tout cas, super content du week-end, vraiment je remercie l'équipe. Ce trophée, vraiment c'est grâce à eux, ils ont bien bossé toute la saison. On a fait du super boulot ensemble, on a bien travaillé aussi avec Raphaël qui s'est bien battu jusqu'à la dernière course. Il est champion junior. Donc voilà, la Bugir Academy France brille. On est aussi également champion en team. Donc voilà, on fait un triplé. Moi, champion de France, je suis trop content. Et là, on va commencer à tout plier, préparer le camion parce que ce soir, il y a la cérémonie. Donc voilà, cérémonie de remise des prix du championnat de France, camion. Donc j'essaierai de vous filmer un peu ça parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bravo à toute l'équipe! Voilà, on va essayer de parler tchèque. Alors, je connais deux mots, hein, évidemment. Voilà une standing ovation pour commencer cette soirée. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir évidemment et profiter de cette soirée. Merci de rouler. Vous en avez d'habitude en plus. Bon, ça y est, on vient de sortir de la cérémonie. Voilà, titre de champion de France. On a eu la grosse coupe. C'était vraiment balèze. Tout le championnat m'ont fait un bel honneur. Donc voilà, c'est vraiment merci à tout le monde. Merci au championnat. C'était vraiment top. Je vais vous mettre quelques petits plans de la cérémonie. Et voilà, en attendant, c'est la fête là au team. On va fêter ça comme il se doit. Et je vais vous filmer un peu tout ça aussi.
Thank you.